Le nom Bourgeon donné à ce centre d'animation de basketball du lycée technique commercial n'est pas un hasard. Car ce centre que dirige l'un des anciens basketteurs de l'équipe nationale est un véritable foyer de jeunes talents. Le centre est créé en 2001, c'est-à-dire 20 ans d'existence aujourd'hui. Je pense que ce centre n'est pas nouveau. En face du centre d'animation Bourgeon, il y a son rival du championnat, le centre d'animation Harlem City. Ce centre a pris son quartier général au lycée Félix Éboué. Dès la création, nous avons 24 garçons et 13 filles. Ces deux centres ont reçu les appréciations du président de la Fédération tchadienne de basketball, Banin Gata Goulou. Vous faites partie des rares centres qui existent encore et qui ont travaillé, qui ont vu sûrement beaucoup de basketteurs évoluer ici et à l'étranger. La remise des attestations de reconnaissance ainsi que la distribution des ballons à ces deux centres vont certainement galvaniser les encadreurs et les jeunes basketteurs.